Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le, du coup, sixième épisode de mon Let's Play sur le jeu sport, saison 3. Donc la dernière fois, je vous avais laissé, on était en phase tribu et on s'était fait attaquer. Donc c'est la grosse, grosse galère. À la base, j'étais parti attaquer le village turquoise, mais en fait, je suis trop loin, je suis beaucoup trop loin. Donc du coup, si je me fais attaquer, voilà, il faudrait que j'attaque plutôt le village rose. Parce que si je me fais attaquer entre temps, ça va pas le faire. Donc on attaque le village rose, vite. C'est-à-dire si... Oula. Il y a un ogre avec plus de 2 PV. Donc là, faut vite attaquer. Voilà, déjà ça. Ça c'est fait. On élimine tous les bébés. Voilà, vous voyez, il y a une tribu qui passe à l'attaque. C'est les verts. Donc là, faut vite rentrer. Surtout qu'en plus. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'est pas à fond. Donc là, il faut vite les choper. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra éliminer le village rose. Enfin, vous savez quoi, on peut les attaquer maintenant. À la ramasse. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Ils sont en train d'attaquer ce bâtiment. Juste regardez, il reste un au village rose. Il doit plus avoir beaucoup de nourriture, donc ça va. Voilà, ça c'est bon. Une fois que c'est bon, on va pouvoir attaquer. Quoi, il en reste? Non, il reste pas. On peut attaquer le village rose. Il y a un ogre, quoi. Ça me démange de le tuer parce qu'il a plus que 2 PV, quoi. Et là, il reste 2 sur 9 au village à Nice. Ok. Oh la vache, y'en a qui sont vraiment affamés. Ce qu'on va faire. Vous deux, vous allez manger. Vous allez manger, tandis que vous. Vous tous, là, vous allez attaquer. À la limite, on attaque. Toc, ça c'est fait. L'ogre éliminé. Ça y est, le défi est réalisé, c'était soit en phase tribu, soit en phase civilisation. Je pensais avoir à le faire en phase civilisation, mais en fait non, même pas besoin. Tellement je suis un warrior qui tue. Donc, toi d'ailleurs, tu vas en profiter pour me réparer la hutte. Donc là, faut se méfier. Il y a deux personnes dans le village à Nice. Ah si, je me fais attaquer là en fait. Le truc c'est qu'on les voit pas en fait. Ça c'est fait. Au moins une tribu qui nous emmerdera pas. Hein? Est-ce que c'est la galère? C'est clairement la galère. Toc, un nouveau morceau de tribu. Alors là le truc, il faudrait éliminer cela. Sur mon chef de village là qui est bientôt mort. Alors récolter à bouffer. Non, zut, pas ça. Donc on a quoi? Des lances de guerre? Ah, les lances de guerre c'est cool. Pose les lances de guerre. Toc, vous reconstruisez un petit peu le bâtiment. Donc là, normalement,
Vous avez suffisamment de nourriture à récupérer sur un ogre pour qu'on soit tranquille. Ensuite, il faudra attaquer le village à Nice. Alors, je crois que... Est-ce qu'ils ont récupéré le colis? Je crois qu'ils ont récupéré le colis. On va reconstruire. Ok, le village à Nice arrive. Sauf qu'on n'est pas... C'est pas très enthousiasmant parce que... Voilà, du coup, il se ramène. Et on est en train d'aller chercher la nourriture parce qu'évidemment, il y a énormément de nourriture sur un ogre. En espérant qu'ils n'y aillent pas tous. Parce que si j'ai plus personne au même moment, ça va être encore chaud. Voilà, le village à Nice qui est de retour. Enfin, qui est complet. Alors, hop, on va récupérer tout le monde. Pour prévenir l'arrivée. Allez, go! Attention aux attaques. Et là, ils attaquent directement ici. Aïe. Voilà. Alors, là c'est bon. Du coup, le problème c'est qu'il y a de la nourriture un peu partout qui est éparpillée. Et qu'on se fait repiquer. Voilà, donc là il faudrait qu'il mange un coup, qu'il se heal. Et à la limite, on pourrait essayer d'attaquer le village à Nice. Pas attaquer le village turquoise. On va attaquer le village à Nice. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que si on attaque le village à Nice. Enfin, le village turquoise, il est en mode stand-by. Pour l'instant, il a. Il a plus assez de personnes pour pouvoir m'attaquer. Celui-là est copain. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que s'il fallait qu'on l'élimine aussi, ça aurait été la galère. Donc on va plutôt attaquer ici. Allez, go! Pourquoi il y a un bruit comme ça? On aurait dit un bruit de secoue volante. Ok, là j'ai un mort. Bébé tout de suite. C'est vrai que je suis pas full life quand même au niveau de ma hutte. Ils sont quand même assez bizarres comme machin. On dirait des blocs. Une tribu passée à attaque. Bébé en danger. Ah merde. Bon, faudra revenir pour faire un bébé parce que de toute façon. Allez hop, bon incendiaire pour éliminer un peu de. C'est pas fort du tout. Toi, t'as super faim, on va te ramener ici. Voilà. Du coup, là, on va commencer le moment galère, c'est-à-dire le moment où il y a des villages avec 12 villageois à l'intérieur. Et je sens qu'on va prendre cher.
Normalement, on devrait plus se faire attaquer par le côté gauche, je pense. Donc là, augmentation de la taille du village. C'est magnifique. Voilà, 12 villageois au maximum. Donc là, on prend tout le monde, on ramène tout le monde. Ok, on a un village d'avance à 10 sur 12. Ah, on a qu'un seul village en plus? Oh, bah s'il n'y a qu'un seul village, il suffira d'attendre une attaque du village turquoise, qui va se faire ratatiner. Ensuite, on se heal rapidement et on attaque le village lavande. Tout simplement. Si on peut dire ça, tout simplement. Les animaux sauvages veulent me prendre mes vivres. Que dalle, je vais les éliminer. Toc, des bébés. Faites des bébés! Voilà. Je peux encore en faire? Non. Élimination. Alors attendez, il faut juste que je modifie 2-3 trucs. Donc on a les derniers instruments, évidemment ça sert à rien. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est du combat niveau 4, c'est pas mal. Combat niveau 4. Ah non, il y en a combat. On a combat niveau 5, donc on peut virer ça. Donc on met combat niveau 5. On va pouvoir réduire la taille d'ailleurs. Sinon ça fait bizarre. État niveau 5. Non, c'était pas l'état. Alors qu'est-ce qui donne état? Je sais pas. Bon bah si c'est pas l'état. État niveau 5. Ah, c'était peut-être ça qui donnait l'état. Voilà, donc là on va réduire. Bah, c'est plutôt bien. D'ailleurs, ça me fait penser. Non, on peut pas colorier les. Ça se colorie tout seul. Ok. Et ben, on va y aller avec ça. Ça sera déjà un peu mieux. Au niveau des stats, l'état augmenté ainsi que le combat. C'est le plus important, j'ai envie de dire. Voilà. Là, ça devrait être bon. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'ils vont nous attaquer? En attendant, ce qu'il faudrait faire, c'est chasser un petit peu. Donc, vous tous, vous allez chasser des créatures. Les Death. Surtout qu'il a dû disparaître le cadavre de l'ogre. Donc, on a un bébé qui est passé à l'âge adulte. Toc, des bébés. Ah oui, c'est ce qui s'appelle éliminer toute une population d'un coup. Toi, tu veux pas te healer? J'ai pas dit lancer, j'ai dit te healer. Normalement, le heal, c'est ici. Tiens, équipez-vous des lances de guerre, vous. Voilà. Toc. Donc là, il a accepté le cadeau. Ce qui est plutôt cool. Donc lui, il mange. J'espère que ça va lui faire recouvrir de la vie. Voilà, c'est bon. Donc là, on est plutôt bon. Ils ont pas l'air d'augmenter de toute façon le village lavande. Le village turquoise, donc on va attaquer. Je pense qu'on va aller attaquer le village lavande.
qu'il y en a plusieurs qui mangent. On va attendre qu'ils aient fini de manger et ensuite on va attaquer. 100! Eh ben dis donc! A pas mal de nourriture. Voilà! Allez, on attaque. C'est parti. En espérant que ça passe. Ah, bon. Non, on va peut-être pas y aller alors. Bon, comme ce que j'avais dit, c'est toujours eux. Donc on va les attendre, gentiment. Et après, on attaquera le village lavande. De toute façon, là, ils vont se faire exploser. Allez, vous arrivez? C'est vrai que c'est un peu loin. Ouais, c'est ça le problème, c'est que si je vais les attaquer eux, j'ai un gros risque que le village d'avant qu'ils m'attaquent juste derrière. Donc non, on va pas les attaquer, on va attendre. Le village lavande, ça risque d'être compliqué. À 12 contre 12, on va bien gérer le truc. Allez, ils arrivent. Ah non, mais c'est le village lavande aussi qui attaque. Bon, ok. Il va falloir être chaud, chaud, chaud. Il va falloir être chaud. Putain, ça reste plein. Oh là 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 là. Voilà, en espérant que ça passe, donc là on en a éliminé. Je suis en train de faire défoncer mon bâtiment. Toc. Yes, c'est passé. Donc du coup, attaquons le village lavande. Vite, vite, vite. Cette attaque est passée. On l'a réussi à la subir. Et on va pouvoir attaquer directement. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc là, il faut pas oublier de défoncer les bébés. Oui, c'est pas cool, je sais. Mais en même temps, sinon on va se retrouver avec des adultes sur les bras trop vite. Bon, par contre, vous avez le droit de vous dépêcher un peu. D'accord. Il y a des bébés, il y a plein de bébés, il faut les éliminer vite. Voilà. Allez go, on défonce ce bâtiment, il faut le faire vite. Voilà, pour éviter ce genre de truc, parce que je l'ai pas vu. Bon, il y a des animaux sauvages qui veulent me prendre mes vivres, on s'en fiche. Allez, en espérant que ça va passer. On marque les bombes incendiaires. Et la prochaine fois, il suffira d'attaquer le village turquoise, et ça sera bon, parce que je crois qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Allez! Quoi, qu'est-ce qu'il y a pour l'interrogation? T'es pas content? Ouf! Sans doute le plus dur village à exploser. Et on l'a eu! Ce qui est plutôt cool. Pof! Un autre morceau de totem. Allez, on va pouvoir se heal. Il reste un. Ils ont plus l'air d'avoir de bébé. Je crois qu'ils ont plus assez de nourriture et le truc, il veut pas aller chercher de la nourriture. Donc bon, ça va être compliqué pour eux, je pense.
Ah ouais, mais ça fait 20 minutes. Et si je veux pas non plus que mon logiciel de montage explose avec des épisodes trop longs, je pense qu'on va devoir arrêter là. Je vais ramener tout le monde au campement et puis on arrêtera là l'épisode. Et comme ça, dans le prochain épisode, on attaquera rapidement la phase civilisation. Voilà, on fait manger tout le monde et on va arrêter là. Toc, tout le monde qui mange un peu. Il y en a qui se heal. Voilà. Ça mange bien. Et voilà, donc tout est nickel. Ben, dans le prochain épisode, comme j'ai dit, on attaque le village turquoise, on le défonce, on passe en mode civilisation et on avance très très bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à venir me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous!